Bonjour à tous, c'est Trimini, comment ça va? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23. Et voici le joueur de l'année, le ballon d'or, a été attribué à Erling Haaland. Ça me paraît pas déconnant, mais pour Trimini ça aurait pu être pas mal également. Hein. Mais bon, City a gagné la Ligue des Champions, je pense que ça joue aussi. Voilà, donc on a trois rencontres aujourd'hui. Le Retafe, on a l'Espagnol de Barcelone et le Betis Séville. Et c'est parti tout de suite pour le premier match de cette rencontre à Bilbao. Et c'est le premier but de Trimini avec cette frappe somptueuse contre la meilleure défense du championnat, et ça fait plaisir. Ok, c'est parti, il y a encore une action à la 13e minute de jeu, et la marche de Trimini qui allait était belle la frappe, c'était pas loin de passer dans ce match. Abdel Ruiz, ah, il va réussir à s'en sortir, et ça barre également de ce côté de Retafe. Abdel Ruiz qui va trouver Gilles Brian. Oh, Oliverto, non! Ah, tcha tcha, à deux reprises. Mais c'est un but de Retafe contre l'Atlético et ça fait 1-1. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné. Et lâche ton meilleur pouce bleu pour me soutenir. Let's go! Oh, ça passe pas loin. Dommage, Trimini qui était pas loin de marquer le second but de cette rencontre. Mais peut-être. Non, oui! À la 48e, c'est Trimini qui marque encore une fois pour l'Athletic Bilbao. Trimini qui va mystifier son défenseur. La frappe enroulée, mais la belle parade de Muso. Oh, Coates. Oh, c'est pas loin de passer. On a Martinez maintenant. Abdel Ruiz, la belle parade de Dimitri Berthou. Le corner. Oh, bon, bah, 10 mars. Peut-être une nouvelle occasion. Jen, Abdel Ruiz. Pardon. Non, mais attendez, on va revoir ça au ralenti. D'où? Mais il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul. Il n'y a pas Pedro, mais non. C'est n'importe quoi. Quotes. Et maintenant c'est Martinez. Et la belle parade encore du gardien. On est à 20 minutes de la fin de cette rencontre. Il faut surtout pas perdre. D'accord. Ok, bah on doit marquer maintenant. Triplé de Trimidi. Oui messieurs dames. C'est encore lui qui frappe et c'est encore lui qui permet à Bilbao de recoller dans cette rencontre. Attention, dernière action de ce match. Attention, Abdel Ruiz. Wouh, ça passe juste au-dessus. On finira ce match sur le score de 3-3 avec un triplé de Trimini, doublé de Martinez de côté et un but de Abdel Ruiz sur penalty. Penalty imaginaire, hein, clairement. Et c'est un nouveau ballon du match pour Trimini. Walker. Et maintenant, on va jouer contre l'Espagnol, le Barcelone, à l'extérieur. Et là, je sens que la rencontre ne va pas être si évidente que ça. Mais on va voir tout de suite avec ce premier corner de l'Espagnol. Et tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Et le but de Pepe. Tcha-tcha-tcha. Et ça fait 1-0 pour l'Espagnol. Barcelone contre l'Athletic Bilbao. Le match est loin d'être terminé. On est dans les premières minutes. Côté. Tiens, son dégagement. Attention, Zurowski. Bon, pour le moment, ça se passe pas très bien. On était leader au championnat, je le rappelle. Là, pour le moment, c'est compliqué. Mais là, Trimidi qui remonte. Trimidi qui arrive à marquer et à coller son équipe. Mais par contre, cette frappe de Farias, elle est incroyable. En pleine lucarne, là. Il fait quoi, lui? Il sous notre tronche. Mais quelle frappe! Quel but! Le gardien n'a rien pu faire. Hein. Trimidi qui va remonter le ballon sur ce côté gauche. Et Trimidi, la frappe de Trimidi qui a été parée. Et par Garcia. Excusez-moi. Oh! Trimidi. Trimidi qui est présent dans cette rencontre. Hein, qui est chaud bouillant. Trimidi.
ça passe pas très loin. Dommage, on aurait pu revenir à égalité. Et attention maintenant, c'est Pépé. Pépé qui va trouver Farias et ça fait 4-2. Bon, on a 15 minutes pour marquer le but pour essayer de recoller. Et là, oh là. Carton rouge. Ça va être double jaune et ça va être carton rouge pour Nunez. Et oui, deuxième carton. Ça fait carton rouge. On finit le match à 10. Et là, on est dans les dernières minutes de ce match. Et ça va être une défaite pour Bilbao. Quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas remonter. Voilà. Et voilà, ça fait 4 doublés de Trimidi, mais en face on a un Farias qui était en feu avec ce magnifique triplé et un but de Pépé sur le corner à la 10e minute de jeu. Donc on va passer au prochain match, le Real Betis, espérant que ça se passe mieux, on joue à domicile. Donc let's go, allez les... En excellente position. C'est la descente aux enfers hein, pour Bilbao, c'est compliqué hein, dans cette rencontre. Oui. Et ça fait 1-1 au tableau d'affichage. Let's go. Allez, Moussa. Lourde frappe et ça frôle. Oh, Luis Enrique qui avait déjà un jaune et qui va prendre le deuxième jaune. Et c'est carton rouge. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Carton rouge dans ce match. Carton rouge le match avant. Et penalty dans le premier match. Et Mateus qui rate ce shoot. Pourquoi il lobe? Il n'a pas le droit de rater. On est à 10 contre 11. Attention, par contre, c'est Trimidi. Trimidi. Ça fait 2-1. Et maintenant ça fait 2-2 avec ce but de Betis Séville. Attention, et pourquoi Adeyemi pas une occasion à venir qui va retrouver ce ballon. Moussa, c'est Moussa sur une passe de Adeyemi. Ça fait 3-2. Et ça y est, Bilbao qui sont menés dans ce match. Ah, tcha 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 tcha. Attention à cette passe. Et ça court encore, et encore. Non. Et ça continue de plus belle. Bordel. Le ballon ne quitte pas. Allez. 4-2, la belle part de Berthou. Ça permet de survivre un petit peu. Hein. Et là, on est à la 93. Et là, ça va être compliqué. Adeyemi qui arrive à reprendre ce ballon. Et ça fait 5-2 pour le Betis Bilbao qui est désormais bien loin de la place de leader au championnat. Et maintenant, avec McAllister pour Adeyemi à la 89e. Le carton rouge fait du mal à Bilbao. On se sent compliqué dans ce match. Hein. Va falloir remonter tout ça. Hop là là, ça repère la balle derrière juste ici, Imanol. Hein. Ah, Imanol qui arrive à cause sa face de ballon. Ça se fait un triplé de Adeyemi, doublé de Trimidi et de Zarzouba. Et l'autre, je ne sais plus, c'était qui avait marqué le premier but. C'était compliqué. On va faire tout de suite un point sur le classement. Donc, l'Atlético Madrid, premier, Barcelone, Getafe, Real Madrid. Et nous, on est cinquième alors qu'on était premier au début de cette vidéo. Mais on a marqué qu'un point en 3, on compte. Alors, c'est complètement mérité. Hein. Voilà. Merci de m'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!